Pendant des mois, le prince Harry et Meghan Markle ont tenté de cacher leur relation amoureuse. L'actrice utilisait même un code pour pouvoir en parler avec ses amis. Avant leur fiançailles officielles, le 27 novembre 2017, le prince Harry et Meghan Markle ont tâché de rester discrets. Cela faisait plus d'un an que les deux tourtereaux se voyaient en cachette en tentant de ne pas ébruiter leur histoire d'amour. Bien sûr, ils en parlaient à leurs proches mais d'une façon assez particulière. Lors d'une interview sur le talk show de Harry Connick Jr., Wendell Pierce, acteur qui joue le père de Meghan Markle dans la série Suits, a révélé qu'il avait suivi l'affaire depuis le début. Mais qu'entre eux, ils utilisaient des noms de code pour ne jamais dire qu'il s'agissait du prince Harry. On a toujours parlé de lui de manière codée. Au fil des semaines, la jeune femme a enchaîné les allers-retours vers Londres pour rejoindre son amoureux. Leur conversation tournait alors beaucoup autour de cet amour naissant, vous savez, c'était du genre « comment tu vas ?»« Oh, je vais à Londres, je reviens de Londres. » Meghan Markle a mis fin à sa carrière d'actrice quelque temps avant d'officialiser ses fiançailles avec Harry. Elle a tourné ses dernières scènes pour la série Suits dans laquelle elle a officié pendant plusieurs années. Son ancien collègue a là aussi de jolis souvenirs avec la future duchesse. J'ai vécu un moment merveilleux avec elle alors qu'on arrivait à la fin de cette aventure. On était tous les deux dans une pièce et je lui ai dit « Je sais que ta vie va beaucoup changer mais sache que je serai toujours, où que tu sois, ton faux père qui t'aime. » Des mots qui ont dû rester ancrés dans le cœur de la jeune femme.